Bien oui, en direct de Télé Éternel. On espère que ça filme, parce que la caméra, on sait pas trop. Le retour du futur. Parce que le film, ça y est, c'est passé, mais on est à présent. En fait, ça explique bien l'espace-temps. Bon, de par la pierre angulaire, je ferai mon église. En fait, mon vieux D2R2, il est tout pété, mais c'est pas grave. C'était super cool. Ça, je ne sais pas si on voit. Vu qu'on n'a au moins aucun moyen de contrôle, mais c'est pas grave, on va dire que c'est bon quand même. Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube? C'est exactement ça. Tous les soirs, je suis largué, tous les matins, je suis largué sur Terre. J'étais bien en noosphère. C'est le monde de l'esprit. Michel, il m'a dit, Michel, tu peux pas saquer là. Qui peut pas saquer la guerre des étoiles, il m'a dit ouais quand même c'était pas mal, il y a des bons trucages. Et j'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est que j'ai expliqué? C'est pas dans l'ordre, mais il faut les voir à l'endroit. Ça explique l'espace-temps, Padawan. Tut. Et il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ouais, c'est la trilogie avant. Voilà. Bon, on n'y voit rien, mais c'est pas grave. Enfin, je vois pas ce que je filme. Aucun moyen de contrôle. Ton 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 ton. Dark va dehors, s'il te plaît. Paroisse de la Sainte Famille. Eh oui. Crise de Nice, attention, c'est pas pour rigoler. Bon, je peux pas tourner parce que ça va pas marcher. Je vais le tourner comme ça. On sait même pas trop si ça filme. Ah si, il y a un voyant rouge. Ah bah ça doit tourner. Fais-nous marcher à ta lumière sur le chemin de ton esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a un esprit dans le bocal ou pas. Tu vois le truc? Aujourd'hui j'étais au club des échanges de savoir, enfin à Gioffredo. C'était super bien. Hier je suis allé à Sansas, bah, c'était sans passe. Et puis le que ça passe, c'est du Gotener. Hein. Le que ça passe, c'est sympa. Inanina, inanana. Eh ben c'est quand il y a un Coluche, le maître d'école. Il n'y a pas assez de Podawan. Il n'y a pas assez d'Obi-Wan. Il n'y a que des escrocs au pouvoir, finalement. À ma tante, à Tata Loral, ça y est autant plus que la planète des singes. C'est normal. Les singes sont au pouvoir. Le Sénat, l'Assemblée, tout ça. C'est que des guignols, c'est que des vendus. Dark va dehors, s'il te plaît. Tant, 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 tant. Mais je viendrai faire le retour du Jedi. Il y a plein de lance-pierres avec des ailes fluo, quoi. C'est... Non ? Écoutez-moi, c'est Goose Jedi qui déshonore mon portail. Tant, 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 tant. Voilà, voilà. C'est une bonne journée, relax dans l'espace-temps. Mais pas pour tout le monde. Hein. Ils continuent de tirer, de vendre des bombes, des armes. Tout. On y est dans la guerre des étoiles. Hein. Mais ça fait longtemps qu'on y est. Même Sylvain Durif, là, le crise cosmique, là, il voulait faire des bases d'atterrissage pour les extraterrestres. Mais ils sont déjà là. Il y a déjà des clones, il y a déjà tout ça. Tu comprends? C'est le feuilleton V, quoi. L'invasion de Los Angeles. Mais moi, j'ai donc mis mes lunettes anti-connard. C'est quand tu vois les radiations, l'aura, les couleurs, le machin comme ça. T'sais. Les yeux de l'aura, pas de mais. Ah, il n'y a pas de mais. Ah bon? Putain, on a broyé là, quoi. Le machin gravitationnel, le truc hyperconducteur, je ne sais plus trop quoi, enfin bref. Et pourtant, un soir, David Vincent les a vus. Bonjour, monsieur Vincent, bonjour. Mais c'est pas ça. Ça, c'est presque péjoratif. C'est rigolo. SNCF. Et les pompes en croco, t'en as? Il y en a, pas de problème. Allez, va. Arrête, va. Arrêtez de faire que de la merde sur cette planète. C'était un paradis. On est agent de maintenance, normalement.
Pouf! Bah hier, c'était lundi, c'était en là. C'était la 7e semaine du réveil de l'esprit. Que la force soit avec nous. Et bah justement, bah Johnny, il a été inhumé en là. Il a remonté sa cordée. Tu vois, pas compliqué. Aujourd'hui, c'était le mardi, bah c'était en si. Et je vous dis bien si. Le 6, on se pose des questions, on commence à s'interroger. C'est des semainiers de l'esprit. Après le deuxième dimanche de l'Avent, tiens, c'est ça le papier que j'ai là. Année B, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois même dit question de liturgie, comme je sais pas vraiment ce que ça veut dire liturgie. Et deuxième dimanche de l'Avent, d'avant l'Avent, c'est comme Sophie d'avant d'après, cependant. Car n'oubliez jamais qu'aujourd'hui n'est que l'hier de demain. C'est pour faire comprendre l'espace-temps. D'ailleurs, je suis tombé sur une conférence hier, c'était pas mal, hier ou avant-hier. Enfin voilà, je ne vais pas beaucoup plus, parce que le temps que j'envoie ça sur Téléternel, il va être je sais pas quelle heure. Puis il faut que je fasse mon petit texte. Du 12 au 13, bah, ça y est, il est 23h59. Ça va être maintenant, dans l'espace-temps. C'était le 12-12. J'ai fait mon premier texte à 12h12. Enfin, j'étais en train de l'écrire. Moment crucial. Tant, 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 Je pense que ça va bientôt tourner. Moi j'ai un espace-temps, il est space aussi. Putain. Des fois je deviens fou. C'est pas que j'arrive avant d'être parti. C'est pas. Bon, ça y est. Bienvenue dans ce premier 13-12 à 0h pile. Tout ira bien dans l'espace-temps. Enfin pour l'instant. Mais quand même, faut faire gaffe. De M17 en plus. Oh là 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 là. On va peut-être réussir à reprendre le diocèse en 18. Avec des escrocs. Hein. Les laïcs, c'est comme le numérique, c'est électronique. Chacun qui se dit laïc, c'est qu'il a vraiment rien compris à de la vie, qui ne sait pas pourquoi son cœur y bat. Tu vois. Il faut vraiment être con pour nier Dieu, directeur d'induction d'énergie universelle. Il faut vraiment être con pour être soumis à la tentation, aimer les trucs qui brillent, les trucs qui polluent, aimer les guerres, les armes, tout ça. Putain, mauvaise programmation, il n'y a pas d'âme dans le programme. En fait, le secret, c'est qu'il faut retrouver son esprit d'enfant avant qu'on te fasse chier, quoi. Avant qu'on te mette de la merde dans la tête. C'était un paradis, la Terre. Et vous bousillez tout. Au nom du pognon. Mais vous n'avez rien compris. Hein. Conseil galactique temporel, ça ne veut pas dire ça, hein, chevalier galactique temporel. Hein. Mais tu ne comprends pas avant 40 ans. 40... 7, 49, avant... À 42, tu es à 7 fois 7, à 6 fois 7. L'année prochaine, j'aurai 49. Je serai à 7 fois 7. Dans l'esprit, dans l'ascension de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut savoir lire entre les lignes et comprendre les images, les idées au travers des images. Hier, il était super le film. Hier, il n'y avait pas d'effets spéciaux, mais c'était émouvant, ça touchait direct à ton cœur. Un moment d'espace-temps aussi, un moment de temps, un moment du temps. Voilà. Envoyé spatial pour l'éternel, Patche Salut, Inchalamen, de Catolman, le protestodoxe, bouddhisto-bétain, brahmo-cistercien, et tout ce que tu veux. Moi, je suis pour tout le monde, moi. Chaque peuple. Chaque pays, chaque époque. Ah, un appel, un texto. Enfin voilà, je vais essayer d'envoyer ça tel quel. 7e semaine de réveil de l'esprit. On était en si. Demain, c'est en do. Ça me gratte le dos dans le disque mou. Tu vois? Demain, on s'accorde en do. Do, c'est le gros point d'interrogation. Tu t'es bien posé les questions le mardi, tu t'es bien accordé le lundi. Et le dimanche et le mercredi, en do, ça fait gratte, 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 gratte. Comme ça. Ok?
Pace salute. Ouf, je ne vais pas l'éteindre parce qu'il n'y a plus rien qui marche.